je m'appelle Chara Kantir. Je sors d'un bac SES10, donc sciences sanitaires et sociales. Donc quelques mois après de mon bac, j'ai participé à une mission humanitaire en Afrique du Sud, à Cap Town, où j'ai pu travailler sur des chantiers internationaux pour refaire une école pour les jeunes défavorisés. J'ai pu découvrir une autre culture. Quelques mois après, donc vers décembre, j'ai fait un stage en ESAT. Donc c'est un endroit pour accueillir les personnes handicapées, pour leur permettre de travailler. Donc j'ai pu découvrir le métier de moniteur éducateur et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai décidé d'intégrer une coopérative d'initiative jeune. Donc c'est tout nouveau en Corse et ça permet à des jeunes de créer leur entreprise. Et avec mes collègues, on a décidé de faire une entreprise multiservice, les services complices. Donc on a pu toucher à tout type de prestations, que ce soit du déménagement, des cours informatiques, du ménage, et notamment la création d'événements, qui a été pour moi en tout cas ma meilleure expérience. Et si c'était à refaire, je le referais parce que c'était vraiment quelque chose de bien, ça nous a appris plein de choses, et on a pu vraiment entrer dans la vie active. Et pour plus tard, mon projet ce serait de devenir moniteur éducateur. Et pour ça, en juillet, je vais passer un concours pour entrer en formation de moniteur éducateur.